Bonjour et bienvenue sur ce nouveau stream sur Assassin's Creed Mirage. Je vais continuer. Alors j'ai baissé un petit peu j'ai essayé d'enlever les lags. Attends, un graphisme. Ouais, j'ai essayé de baisser un petit peu. Densité fouillée, tiens. J'ai essayé de baisser un peu, je sais pas ce que ça va donner. J'ai baissé le nombre d'images par seconde. Bon. J'ai fait un test, il y a une possibilité de tester. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de. Je sais pas. On verra. Je sais pas quoi faire parce que quand même j'ai du bon matos, mais bon, on va voir. Donc. Alors normalement, j'ai. Attends. Il est possible de modifier à tout moment le degré de difficulté dans le menu des options. Ok, ça je m'en fous. Le calendrier musulman pour origine l'Égypte, c'est-à-dire la fuite du prophète Mahomet de la Mecque vers Médine en 622. Mirage se trouve par conséquent au cours du 3e siècle après l'Égypte. Septembre 2023 correspond à l'an 1445 de l'Égypte. Les Abbassides étaient des descendants d'Al-Abbas, oncle du prophète Mahomet. Cette parenté et leur puissance militaire aidèrent les Abbassides à régner en tant que calife ou successeur de Mahomet de 750 à 1517. Bon, le vision d'aigle. Appuyez sur espace pour bondir en arrière depuis un mur. Alors, normalement, j'ai mis des. Ma souris, j'ai mis des touches. Ah, ouais, d'accord, oui, c'est à peine commencé qu'il y a. Ok, bon alors. Enquête, qu'est-ce que je dois faire? Tiens, compétence. Non, j'en ai un point. Est-ce que je le prends? Ah, bah tiens, je vais quand même le prendre parce que. Bon, qu'est-ce que ça c'est? Tout est bien, hein, mais bon, codex, je m'en fous. Les enquêtes. Alors, ne plus. Bon, il faut que je retourne voir Derwish. Bon, une petite seconde. J'ai peut-être un truc qui fait de l'ombre, on va dire. Mais j'y crois pas. J'aimerais bien trouver des affiches. Manger là, collecter. Mais est-ce que c'est du vol? Ah ouais, d'accord. Bon, c'est diversement apprécié. Je me disais bien aussi. De connexion. Je suis pas doué. Et hop, on grimpe là-haut. C'est un qui va m'emmerder ou pas lui? Oh oui!
est-ce que... N'importe, je m'en fous. Alors, c'est par là. Bon, ben... Elle est vachement engageante, la flotte, là. On a vraiment envie d'aller se baquer dedans. Un beau verre, bien dégueulasse. Roshan et Foulad seraient ravis d'apprendre ces nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, on va manger. Bon, c'est où? Arrête, putain, c'est chiant. Ah oui, c'est vrai que c'est là le bureau. Mais à la place d'Ali, j'aurais agi de même. La cohésion d'une armée dépend après tout de son soldat le plus lâche. Assalamu alaikum, Bassem. Wa alaikum assalam, Ahmad. Comment s'est passé ton voyage? Moi, c'est Abu Jafar. Ah, pardonne-moi. Il y a un problème? Pas encore. Mais nous avons appris qu'Ali préparait un accord avec Nour, en vue d'approvisionner les rebelles en échange de son aide. L'ordre est une épine dans sa sandale, oui. Mais c'est le califat que vise Ali. Il voudra que nous honorions ce marché. Toi, quelle nouvelle as-tu? Notre cible est appelée Al-Rul. Il emploie des prisonniers et des ouvriers à creuser à l'extérieur de Bagdad. Ali et certains de ses hommes ont été capturés et marqués. Béchi et moi en avons libéré la plupart. Mais Ali avait été emmené ailleurs pour être interrogé. L'un des rebelles m'a montré sa marque. Si la liste des captifs est exacte, Ali a été envoyé à la prison de la Porte de Damas. Où sont les rebelles à présent? À un moulin, dans les faubourgs du Nord. Je vais aller les voir. Vous, tâchez d'en savoir plus sur ce marché. Trouvez Ali. La prison de la Porte de Damas est la mieux gardée de tout Bagdad. Cela promet d'être un défi de taille. Tu peux me croire. Je vais aller en reconnaissance. Retrouve-moi près de la porte de la prison. Aurais-tu un instant à m'accorder, Bassim? J'ai à te faire part de quelques idées utiles. Je suis tout oui. Tout d'abord, j'ai préparé un panneau rassemblant les informations de nos espions en ville. N'hésite pas à le consulter. Ensuite, tu pourras trouver pléthore de matériaux permettant d'améliorer tes armes. Va voir Jawar, le forgeron, près d'ici. Il pourra t'aider. Enfin, je peux t'aider à améliorer tes outils. Apporte-moi des matériaux, et je te montrerai à quel point mon talent est sans égal. Ok, amélioration d'outils. Chacun de vos outils peut être amélioré et personnalisé à l'aide de divers effets. Pour améliorer un outil, rendez visite à l'un des frères Banu Moussa dans un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Ce service coûtera une certaine quantité de matériaux d'amélioration. Ok, donc, déverrouille. Bon, bah, je vais le déverrouiller. Hein. Échelon 1 débloqué, ça m'apporte quoi? Choisir modification portée accrue. Je peux changer. D'accord. Impossible d'améliorer cet outil. D'accord, ok. Toujours bon. Plein de ressources.
Merci, Abu Jafar. Vous avez réuni assez de matériaux d'amélioration pour améliorer un équipe. Salut à toi. Bonjour. Améliorer un outil. Tes compétences me seraient sûrement utiles. Je t'en prie, regarde. Non, bon, ok, bon. Rien d'autre ? Non. Non, ça va, bonhomme. Je te remercie pour ton aide. Au revoir. Foulad est allé chercher un moyen d'entrer dans la prison de la porte de Damas. Je dois le retrouver. Mais auparavant, je ferais bien d'aller trouver ce forgeron. Alors, les contrats proposés par les factions de Bagdad sont affichés sur ce panneau. Mener à bien leur requête est un excellent moyen de s'attirer leur bonne grâce. Vous en apprendrez plus sur les trois factions de Bagdad dans le codex. Les détails des contrats acceptés sont présentés dans le menu d'enquête. Ok, donc... Un marchand d'armes allié des rebelles est recherché par les autorités. Mettez-le en sûreté. Ne subir aucun dégât. Alors ça va être coton. Voler un précieux miroir enfermé dans un établissement de bain. Ne tuer personne. Un poète pratiquant la satire à un jury, un puissant courtisan. Mettez-le en sûreté. Voler un bateau amarré dans le canal de Fief. Ne pas se faire détecter. Putain. L'une des concubines du calife, espionne au profit des rebelles, a été amenée au palais du prince pour interrogatoire, assassiner celui qui la retient. Ne subir aucun dégât. Non mais bon, je suis pas sûr de... Je suis pas sûr d'être capable de... Les améliorations qu'il est capable d'apporter à mon équipement pourraient m'être utiles. Je suis pas sûr d'être capable de... Je maîtrise pas assez le jeu pour ne tuer personne ou pour bien les protéger. Alors, où il est le forgeron? Merde, c'est pas ça, c'est... J'ai besoin de ta vue, mon ami. Il est le forgeron. Service de forgeron et de tailleur. Les forgerons peuvent améliorer vos armes si vous possédez des matériaux suffisants. Chaque arme peut être améliorée deux fois. Les tailleurs proposent un service similaire pour les tenues. Ces améliorations consomment des matériaux. Vous trouverez des lingots d'acier et de cuir en explorant l'univers, en ouvrant les coffres et en menant à bien certaines activités. Améliorer une arme ou une tenue suppose aussi de posséder un schéma d'amélioration spécifique. Ils sont rares et se trouvent généralement dans des coffres bien gardés. Améliorer une arme en accroît les stats, améliorer une tenue en accroît les avantages. Laissez-le ! La Shurta s'occupera de lui. Bon, il est où le forgeron ? Du calme. L'Éternel s'occupera de ça, comme du reste. Bah... C'est à deux doigts de ressembler à un forgeron, quand même, là. Bah oui, mais moi je veux bien, moi je suis devant un forgeron, il me snob. Là, est-ce que c'est parce que je suis un salopard recherché? Bon. Qui ça, moi? Moi? J'ai de très bons yeux. Voilà le fugitif. Garde, ah. Capturez-moi ce chien. Je crois que j'ai vu une... Une affiche. Par là. Alors on va...
Elle est où? Elle est là. Ok. Ici. Mieux vaut se faire tout petit. Voilà. Ok, bon. Est-ce que j'en ai une autre dans le coin? Non. Bon, on va retourner voir le forgeron. Merde. Petit idiot. Oh. Oh. Il est vilain quand même, le chat. Ce n'est pas à moi de juger. C'est peut-être la cruauté du monde. Je vois pas quoi ça sert. Où il est le forgeron? Là. Ah. Ah d'accord, oui, ok, on peut pas parler si on est un délinquant. La paix, mon ami. Sois le bienvenu. Voir la boutique. Que proposes-tu aujourd'hui? Je t'en prie, regarde. Alors, amélioration d'équipement. Il est possible d'améliorer les armes et les tenues en apportant un schéma d'amélioration spécifique à un forgeron ou à un tailleur. Ce service réclamera aussi des lingots d'acier et du cuir. Améliorer une tenue débloque de nouveaux effets davantage, alors qu'améliorer une arme en accroît les stats. Vous trouverez des... Bon, ça, on l'a déjà vu. L'apparence des armes peut être modifiée chez un forgeron à l'aide d'un service correspondant. Seule l'esthétique de l'arme change, ses stats et ses effets davantage demeurent identiques. Ok, bon. Je peux lui offrir une seconde vie. Ah bah je... Besoin d'une pointe plus fine ? J'ai bon. Un don pour le tranchant. Ah, attends, c'est... Tue un ennemi pendant un ralentissement total. Non. Bon. Je vais améliorer ça. Merci. Ouais, ça fait plus de dégâts, c'est ce que je vois. Je peux améliorer la lame ? Je pense que j'ai plus assez. Je connais assez bien. Rien d'autre ? Non. Partir. Nous nous reverrons plus tard. La paix t'accompagne. Alors, bon. Gagne niveau, ouais, ça fait rien à foutre. C'est pas affiché, je sais pas si c'est affiché à l'écran. Bon.